Bonjour les camarades. Un point sur la situation dans nos secteurs. Depuis début décembre, pas mal de boîtes qui sont en lutte. Je pense aux camarades de Cultura, Leclerc, avec des perspectives très positives dans le secteur. On le voit dans la prévention sécurité, dans la restauration collective. Hier, à Sodexo, avec une grève de 24 heures, avec bien sûr l'occupation de l'outil de travail, ce qui a permis aux camarades de Sodexo d'obtenir 4%, ça veut dire 9% pour cette année. C'est pas mal, ce qui prouve la lutte paye. Nous avons ensemble réussi le 7 décembre une journée historique dans le secteur du commerce et des services, avec une occupation de 24 heures d'un centre commercial qui était à Bercy. Énormément de détermination des camarades de la CGT qui sont repartis avec l'ANIAC dans leur entreprise pour exiger du patronat de réelles augmentations de salaire. Nous avons décidé collectivement d'une nouvelle journée parce qu'on l'a dit, on ne lâchera rien. Le 22 à Paris. Croyez-moi, les camarades, c'est un lieu très symbolique pour qu'on dise une fois pour toutes, il faut augmenter les salaires, 2 000 euros pour tous et toutes. On est tous là, mobilisés, malgré le froid, malgré la neige, dans certains magasins. Et si mes camarades sont d'accord, on repart la semaine prochaine. Évidemment. Bien sûr, parce qu'il ne faut rien lâcher, parce que la direction, elle ne va pas nous donner les choses. Il faut qu'on aille le chercher. Et on sera là la semaine prochaine et la semaine d'après, s'il faut. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Restez.